Salut à tous, bon on est en fin mars là, c'est les giboulées de mars. On va affronter le vent là, je vais me mettre sur un poste assez avancé face au vent. Ça va bouger un peu certainement. Je vais essayer de faire une belle petite vieille, voire un petit sar. Et puis j'ai quand même pris ma canoleur si jamais il y a des petits macros, des petits trucs comme ça. Et pourquoi pas un bar. Allez, on a le droit de rêver, on est à la pêche. On y va, c'est parti les amis. Voilà, je suis arrivé sur le poste, alors je sais pas si tu vois là. Ça bouge bien, ça cartonne, on regarde ça un peu, la beauté du poste. Là les embruns ils remontent jusqu'ici, bon je suis abrité là, je risque pas. Même avec des gros vagues, je risque juste d'être mouillé. Mais ouais c'est un peu tendu, il y a beaucoup de vent. J'ai la housse pour protéger du son. Allez, on va essayer quand même de mettre une crevette, le problème c'est si j'ai un poisson, bah, pour le remonter ça va être coton comme on dit. Donc la canne à l'heure ça va pas être pour tout de suite hein. On verra, je changerai peut-être de poste après. Je vais faire quelques lancers ici, ça me plaît bien mais ça bouge hein. Je m'attendais pas à ça, je savais que ça allait bouger mais pas à ce point là tu vois. Bon et bien il y avait tellement de vent ce jour là, tu vois même la caméra tombe. Après quelques lancers j'ai décidé de changer de poste et me mettre à l'abri. Bah, c'est la mer qui décide hein, comme toujours. Ça fait mal hein, c'est tombé de 3 mètres. Salut à tous, bon je viens d'arriver sur le poste là. J'ai pas fait de présentation, enfin si j'en avais fait une mais j'ai été sur un autre poste et il y a tellement, ça bouge tellement mes enfants que là papa elle a décidé de changer de poste. C'est compliqué là aujourd'hui, ça bouge dans tous les sens. C'est une mini tempête on va dire. Donc bah, là il y a du vent, hein. Je vais mettre un petit leurre soupe pour commencer, on va voir, je vais essayer un petit leurre soupe, on va voir, voilà. Allez, j'ai pris des leurres, j'avais pris ma grosse canne pour le sar, mais moi bon, si je prends rien, j'essaierai de mettre un bout de crevette pour prendre une vieille asthme. Une petite vieille asthme. Allez, on va mettre un petit leurre souple. Celui-là ou un power sardine. Non, on va commencer par. Ouais, je mettrais bien un petit power sardine. Un petit power sardine perdu là-dedans, ça peut le faire. Hein. Lequel ai-je déjà utilisé? Je ne sais plus. Je vais prendre le même. J'ai un 15 et un 20 grammes, mais les têtes elles se ressemblent tellement. Je pense que c'est celle-là la plus grosse. Allez, on va commencer par ça et après on mettra celui-là. Je pense qu'il y a un chatterbait aussi, des Dex, là, faudra que je l'essaye. J'en ai déjà dit, je me répète. Mais j'oublie, hein, ça, je fais beaucoup de vidéos, les enfants, excusez-moi. J'ai Alzheimer. Allez, on va essayer avec le power sardine, voir ce que ça donne dans le jus. Alors, toujours ma peine config, en 2m74. 738 grammes, un foot bassin, ça c'est de bonne augure. Peut-être passer un coup de gig après. Allez. Hop là, ma petite queue de cochon qui est ici pratique. C'est une boîte. Ouais, je pense que c'est une boîte, je suis peut-être un peu bas, mais bon. Par contre, il y a des mouettes là, faut qu'elles bougent là, parce que je voudrais pas prendre une petite mouettos. Wouhou! Ouais, ça part. Allez. J'ai réglé mon frein et c'est parti. Donc là, 4000, 13 cycles, 10 centièmes. Oula, j'étais sur un caillou. Il pourrait y avoir des poissons là. Il y a beaucoup de mouettes posées là, c'est un peu loin, mais les coups de baston sont en train de tourner là, ça m'excite à moitié ça. Il va y avoir du mac, tout ça. Peut-être mettre un coup de jig vers là-bas. Alors avec la caudale, il descend pas assez le petit coquinou de power sardine. Youhou! Il descend pas assez, mais par contre, qu'est-ce qui part loin, toi? Faut que je passe. J'ai un gros caillou devant là, enfin, va falloir que je m'accroche dessus. Et ils sont pas loin les fous de bassin, là. Je pense que je vais mettre un coup de jig là. Il y en a trois là, trois fous de bassin juste devant, ils sont de toute beauté. S'il n'y a pas de barre. On va sévir au gig, il y aura des macros, il va pas loin, il est pas loin. Qu'est-ce qu'il voit là? Ses yeux de lynx. On va pas dire des yeux de lynx, on devrait dire des yeux de foot bassin, nous les pêcheurs ou de cormorants.
Comme les golons, ça voit bien. Parce que là, ça a vraiment fait. Il est trop léger le Power Sardine. On va mettre un petit. Je vais surveiller les prix de bassin du coin de l'œil. On va mettre un petit leurre un peu plus lourd. Hop, on le largue sans pitié dans le seau. Là, on va mettre celui de là de 20 grammes aussi. Comme il est effilé, en fait. Celui-là, il prend moins de. Qu'est-ce qu'ils font les fous de bassin là? Ils sont en train de tourner, mais juste devant WAM là. C'est qu'il y a du poisson en dessous là. C'est pas pour s'amuser, on peut perdre de l'énergie bêtement dans le vent là, parce qu'il y a un sacré vent. Ils sont où là? Ils plongent pas, par contre, il y en a trois là, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un vol nuptial ou quoi là-haut? Doucement les amis. T'as... Je te dis pas comment il va partir celui-là. Il y a plein de mouettes posées là-bas. Je vais être obligé de jeter mon gig. Putain, il a touché le fond mon leurre. Oh là là, ils sont juste à côté là, c'est pas possible. Je vais mettre mon gig là. Slow Bladcast. Power. Bon, j'ai vu du coin de l'œil un foot bassin plongé. C'est direct, je vais mettre mon petit gig. Mince, c'est pas cela les palms. C'est dans l'autre, ils sont ceux-là. Les gig palms, ils sont dans ma boîte Reins, évidemment. Quel con. Alors, celui qui a été déglingué en 30 grammes, ça va être parfait, je pense. Derrière, ça ne plus rien, mais ça n'empêche pas de prendre du poisson. Après, je lui emmène la vie dure comme j'ai des hêtes. Allez, on va voir où il a plongé là tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a de la caillasse, alors je n'ai pas envie de perdre mon gig. Bon, celui-là, il a déjà bien travaillé, on va dire. Par contre, j'aurais le vent latéral, ça c'est un peu galère. Voilà, voilà. Allez, on va voir où il a plongé. Je vais avoir du mal à tendre ma bannière, il y a un putain de vent latéral. Ça c'est relou, putain. Bon, il part. Wouhou ! Oh là là, c'est dingue ça. Mon gig il fait du surf, j'arrive vraiment pas. Ça va être dur de pêcher. Hein. Fasse 300 tonnes et ça m'intéresse pas tellement. Oh là là, la bannière elle est trop détendue, faut qu'ils se piquent tout seul dessus les poissons hein, si j'en prends. Et voilà, il suffisait de demander hein. Il y a poisson papa. Je savais qu'il y avait du poisson là-bas. Oh super. Petit Mac probablement. Wouhou. Il part complètement à gauche ce con. Viens là, c'est par là qu'on est là. Tu vas où? Regarde ça, ce corps fuselé. La beauté du Mac, mon gars. Allez. On va lui piquer en bordure, là. J'espère que ça va le faire. Oui, vas-y, j'ai trop faim. Ne barre pas. Et voilà. Cool, hein. Youhou. Petite photo et on y retourne. Enfin, il va pleuvoir, je crois. On va se faire rincer la gueule. Ça va être mortel, mais c'est pas grave. Youhou. Chuté. Voilà, voilà, merci les fous de bassin, même si c'est la saison, qu'il y en a beaucoup, et ben il fait plaisir celui-là. Je vais relancer vite fait, je vais essayer de reprendre. Parce que là, ça tourne au-dessus de ma tête, alors, enfin, au-dessus de ma tête sur le côté. Je me dis qu'il y en a d'autres. Des capsules à Jean Règle, vive la pêche. J'y retourne. Oh le vent qu'il y a. Je vais essayer de venir là. Là, je lance pas très loin par contre, mais c'est pas grave. Bon, je vais éteindre mon téléphone. Je largue plein de fils, en espérant pas prendre un goéland ou une connerie. Allez. Hop là. Ils sont pas loin les goélands. Les fous de bassin, là, regarde. Il est juste là, ça veut dire que c'est pas loin. Super. Le clash, il fait le taf. Hein. Sans problème, même les macros. Oui. C'est quoi ça? C'est un poisson ou c'est la roche? Ah merde, ça doit être le fond, ça merde. Par contre, un peu relou. Ah merde, putain, je vais perdre mon gig. Là, je suis un peu deg. Ah, oh, fait chier. Ah, je l'ai décroché. Ah bah voilà. Il suffit d'y croire. Super. C'est-à-dire que y a beaucoup. Oh non, là, putain. Ah là, c'est mort, là, par contre. Quel con pêcher avec des beaux gigs, là. Là, je l'aimais bien, il était défoncé. Merde, c'est à moi, merde. Mon gig, hein. Fait chier, putain, merde. Ah, j'ai encore des problèmes avec le CSA, moi. Vous êtes trop vulgaire. Ah, putain, cassé de merde. Voilà, à faire trop vite. On va remonter une ligne vite fait. On va essayer de voir, hein, en espérant qu'il reste dans le coin. Ça me ferait chier de faire qu'un macro. Là, en ce moment, c'est un peu tendu. On va prendre ça.
Le chlas, et je sens que la pluie à l'arrêt, je vais me faire défoncer. Oh merde. Pardon pour les grossièretés là, mais quand tu pêches, ça m'embête déjà de perdre un gigue de cette qualité. Petite queue de cochon là, on va le mettre tout ça là, on va préparer. Allez, hop là, hop là, hop là, on prend un mètre de fil. Ah, il pleut. Je le sens mal là. Je vais pas rincer, j'ai même pas de fut. J'ai même pas de pantalon exprès pour les empreintes. Allez, on prend un bout de Nautil, super fluoro que j'adore. Trop pratique la bobine, tu vas les miniaturiser. Voilà, un petit nœud chirurgien vite fait là, j'ai pas le temps de jouer là, je peux faire un 9G à la con là. C'est le meilleur, il y en a plein qui disent ça, ouais, c'est le meilleur mais je m'en fous moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il m'en faut au moins un deuxième, merde. Mince, pardon. Elle va être pourrie la vidéo. Elle va être d'une violence inouïe. Il y en a plein, ils me saoulent, il faut... Enfin non, il y a pas plein. Tous ceux qui me saoulent dans les commentaires, je les dégage. Il y en a, ils viennent pleurer leur mère. Je sais pas ce qu'ils foutent sur les vidéos de pêche. Et tout. Allez, dégage, supprimez. Bloqué. Heureusement qu'on peut bloquer. Hein, parce qu'ils te saoulent, les gars. Putain, ils ont des problèmes relationnels, ils viennent te les briser, quoi. Va voir ta maman, tu lui dis qu'elle a pas fait ce qu'il fallait quand tu étais petit, j'en sais rien, moi, mais... Viens pas me saouler, putain. Mais ils sont trop relous, hein. Heureusement que c'est une minorité. Sinon, la plupart d'entre vous, vous êtes adorables, je vous aime. Mais heureusement, hein, putain, monde de ouf. T'en as, ils sont perdus, je sais pas ce qu'ils viennent foutre, là. Pour des profs, ils veulent te corriger et tout, mais va faire ta chaîne d'orthographe, putain. Maître Capello, comment on se faisait chier devant ces trucs là. Allez hop, voilà. Moi je pense que je vais mettre un gig un peu moins onéreux là, pour un gig un peu pérave que je suis prêt à perdre. Qu'est-ce que je peux mettre comme gig? Par contre, faut que j'en prenne. Tiens, un truc d'AliExpress en 30 grammes, on va mettre. C'est moins fun, mais bon, au moins si je le perds, je serais pas deg, parce que le fond là-bas il est chaotique et j'ai envie de pouvoir le perdre quand même. On va mettre ça, allez. Ce qu'il aurait fallu, c'est un petit teaser, mais j'ai pas le temps d'en mettre un. Fichier, pardon. Oh, celle-là elle va battre tous les records. J'ai un plein de pouces vers le bas. Thibaut Pêche, c'est pas bien. Thibaut Pêche, c'est un gros porc. Thibaut Pêche, il parle mal. Thibaut Pêche, bon, moi il fait le même poids que tout à l'heure. 30 megras, allez. Toi, tu vas me chercher un poisson maintenant. Je vais éteindre la. Là, il part au moins aussi loin que le Palms. Non, il part un peu moins loin même. Ouais, je l'ai toujours. Youhou! Ils sont là, mon gars. Ils sont en transe. Ils ont fini de frayer. Je viens de lancer, tu vois, le gig. Je viens vraiment de le lancer. Ah, je regrette pas. Oh, celui-là, il a l'air beau. Hein. Ça tire les macs. Yes! En attendant, on va prendre des barres, hein, tu vois. On va essayer d'en prendre quelques-uns là. C'est super, je suis content. Ah, moi, j'ai cru qu'il était. Oh, je dois les refaire de là-bas. Oh. Il a l'air beau. Hein. Allez, viens. Un beau petit Mac là. Ouh là là, ça sent le barbecue. Dommage que le temps soit si pourri. Hein. C'est vrai que c'est malheureux. Hein. On a envie de faire du barbecue, nous, avec les potes là. On a envie de s'éclater. Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Comme Thibaut. Allez, on va le décapsuler. On va rejeter immédiatement. On va pas perdre de temps. On va essayer de prendre quelques-uns. Fait du bien parce qu'à chaque fois, j'en prends qu'un ou deux. Là, déjà, j'ai mon record là. Deux petits Mac. Ah. Moi, je préfère le Magic Pan, mais. Allez putain, comment qui t'a avalé ça, c'est un ouf lui. Plus de laitance, ça se trouve serait même une femelle celle-là. J'essaie de pas éclater mon téléphone. Allez, premier lancé, deuxième lancé. Ah je savais, il y avait les fous de bassin quand même, ça te trompe pas. Hein. Eux c'est des malades les gars. J'ai une traction et hop c'est pendu. Super. Youhou ! Petite pêche de Mac, moi ça me va bien, je m'en fous. Hein. Quand le temps est... Le vent a l'air de s'être un peu baisseau. Allez. Oui, j'ai senti un truc, non? C'est le vent peut-être. Ouais, c'est aussi. Et les fous de bassin sont toujours là, c'est génial. Et... Oh, peut-être mon ogic s'est emmêlé, je suis pas sûr que ce soit un poisson. Non, mon ogic s'est emmêlé. Par contre, le fou de bassin vient de plonger, c'était de toute beauté là, juste devant moi. J'arrive pas à voir ce qu'ils prennent dans la gueule, ils les bouffer sous l'eau, c'est pas possible, enfin les mettre dans leur gosier. Allez, va me chercher un joli poisson toi. Troisième Mac,
Thibaut Mac. Oh, je m'éclate, je suis content. C'est bête, hein, des macros comme ça, il n'y a rien de... Mais ça fait plaisir, tu vois, là, c'est la première fois que j'en fais 3. Hein, depuis le début de l'année. Ils ont la dalle comme papa. C'est pas bien, hein, ça va vous perdre, ça. Oh là là, il tire bien, celui-là, il est dead stock, hein. Ouais, je le vois. De toute beauté, mon ami. Enfin, si j'avais un teaser, je les prendrais pas. Oh, il y en a deux. J'en ai pris deux sur le GIC. Sur l'Amstron Trip, ça veut dire qu'il y en a deux. Oh, regarde ça si c'est beau. Attends, la preuve par 12, hein, parce que sinon, vous allez pas me croire, ça. Regarde ça. Allez, wouhou. Oh putain, ils ont la dalle. Attention à la canne quand même, là. Ça, ça vaut le coup, hein. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, deux sur le gigle. Oh ouais, c'est cool. Papa, il est content. Ça fait plaisir. Voilà, on va les décrocher. Shooter. Capture. Voilà. Attends, je comprends pas. Il est où, celui-là? Hein? Il est pris par la commission des... Il était même pas sur le trip, celui, quand même. Allez, on va se dépêcher. On va essayer d'en prendre d'autres, là. Ils sont là, les petits coquinous. Ça, c'est bon, c'est de la bonne, c'est du bon, petit poisson à manger, ça, j'adore ça, moi, les macros, il y a tellement de recettes. Allez, on y retourne. Stop, stop, go. Bon, et ben on va changer de gig parce que là il y a tellement de vent. Je vais passer aux 40 grammes, je vais mettre plus lourd. Je crois que j'ai une Mitra Spoon. Tiens, voilà, elle est là. J'ai une Mitra en 40, c'est juste ce qu'il me faut. Oh merde, par contre elle est en 50, c'est relou ça. Moi je veux pas de ça, moi. Putain, j'en avais une. Ça doit être dans la boîte Reins. Reins. J'ai 4 macros, j'en ai. Voilà, elle est là. Elle est belle, elle est là. Ça, parce que là, il y a un sacré vent. On va mettre ça. Avec ça, ça va le faire. C'est trop de vent en fait. J'arrive pas à. Ça tire le gig. T'imagines un gig de 30 grammes, il dégage. Il n'arrive pas à descendre avec le vent. Ça tire tellement sur la tresse. Et pourtant, j'ai une tresse fine. Hein. Voilà. Alors là, avec ça, je vais leur démonter la tête. Let's go fishing, papa. J'espère que les hameçons sont bien piquants, j'ai pas bien vérifié. Oh si. Si ça pique bien, elle a pas dû servir beaucoup celle-là. Alors là je suis dans la limite extrême de la canne. Bon, ça pose pas de problème on dirait. Par contre elle va descendre beaucoup plus vite du coup. Elle fait 10 grammes de plus. Je me suis pris une de ces sauces les amis. Laisse tomber. Hein. Ça m'a dégoûté de la vie. Hein. Ça m'a même pas nettoyé ma canne, j'ai encore les doigts pleins de dégueu, regarde. Oh là là, il y a un vent. Alors, j'espère que je vais faire les poissons, que je vais plus sentir la cuillère. Ouais, je la sens tout de suite mieux, c'est super. Pas la laisser trop au fond, hein. Faut que ça pêche vite. Hop là, papillonne. Hop hop. Oh merde, le fond. Mais non, ça vient. Est-ce que ça vient, non? Oh merde, j'ai cassé. Oh le con, ma Mitra toute neuve. Ah là là, ça me coûte cher, hein. J'ai envie de désacheter les macros, bordel de merde. Oh putain, c'est chiant la pêche quand c'est comme ça. Enfin, je repasse un badin, je commence à avoir un front, moi il caille. Et ouais, j'ai cassé au nœud, j'ai perdu tout. Punaise, quelle galère. Allez, on recommence tout, on se reprend tout à l'heure, go. Encore un petit mac, fait plaisir. Wouhou. Je suis content parce que le repas se prépare, là. Tu vois, c'est même pas une question de coup de ligne, tout ça. Pour une fois, j'ai toujours la dalle, moi. Je sais qu'on va bien manger, ça c'est super, ça fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que le supermarché, il y a tellement de la merde et tout. Le poisson, tu sais que c'est bon. Oh, il est l'air beau, celui-là. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Il est où? Voilà, je vais aller refler. Un beau petit mac, là. Super. Oh là là, quel beau poisson, le macro. Quel beau et bon poisson. Allez, on va descendre ça au maximum. Allez. On perd pas de temps, on le décapsule et on y retourne. Yes, papa.
regarde s'il y a personne et on prend pour un malade. Ah, j'ai perdu une branche du trip. Ah, il a du blanc là qu'il m'a envoyé. Ah, c'est du blanc encore. Si, ils sont encore en train de frayer. Hein. Allez. Tac, on lui enlève une ouïe, ça s'aime bien. Ah putain, ouais, il a du blanc là. Ouh là là. Il a du blanc. Il dit blanc. Allez, va me chercher un autre. Wouhou. Encore un poisson. Super. Oh, ça a l'air plus gros là. Je sais pas si c'est moi qui me tripe ou. Wouhou. Ça fait trop plaisir. Je crois que mon frein il est serré à fond. Oh, j'en ai peut-être deux là. C'est super lourd. Il se bat super bien. Elle est bien la config, tu vois, sur les petites cannes comme ça, tu t'éclates au macro. Avec des fois sur les digues, tu vois, il s'est décroché ou quoi? Non, il te laissait venir, il a tout donné là. Ah là, tu vois, il est encore là. Oh là là. Sur les digues, tu vois, les gars, ils ont des mitraillettes avec un plomb de 110 grammes, avec des cannes de surf casting. Ça doit être crevant, hein, franchement, tu fais de la muscu là. Il doit plus être trop loin là. Je le vois toujours pas, si je le vois. J'espère qu'il va pas se décrocher là, c'est précieux là, les macros comme ça. Là. Allez, viens pépère. Oui. Oh, oh, oh. Des macros volants. Ça fait vraiment plaisir ça, tu vois. Il y en a une prise des macros de ça, mais moi, j'adore ça. Allez, on se reprend un grain. Boum. Lancer le macro, bah c'est cool. Là j'ai exactement ce que je voulais. Oh putain, c'est dingue quand il pleut là, le vent il se réaccélère. Le gig il part, mais laisse tomber, il va où? Ouh, plaisir, plaisir. I wanna get a biz biz, man. Putain, la tempête là-haut. Aïe, aïe, aïe. On va voir qu'on est bien dehors. Oh là là. La capuche qui s'en va quand il faudrait pas. Aïe, 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 voilà. Oh là là, le vent s'accélère à chaque fois qu'il pleut, c'est bizarre. Hein. Papa, il va s'envoler. Encore un poisson là. C'est cool, ils prennent à la. Oh là là, ça se tire bien, hein, il tire bien celui-là. Ouais, ça tire bien, il tire bien. Je sais pas desserrer mon frein, je vais le faire là. Super, ça fait plaisir. Oh, j'étais décroché, merde. J'ai merdé. Oh, de toute façon, il serait décroché probablement. Allez, on va retourner vite fait. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez. À la descente, c'est l'idéal ça, quoi. C'est comme ça tu reprends contact, il est où? On est à... Youhou! Je reprends un direct. Yes! Ha ha! Ah merde. Je vais perdre, en fait il remonte trop en surface peut-être. Ah là là, il met des bons coups de tête celui-là. Oh, c'est plaisant, hein. C'est une pêche plaisante le macro, mine de rien. Il fait du surf, oh là là, il se met à flotter là. Un peu du surf, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, faut qu'il soit bien accroché. Oh là là, il va se tomber. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, il pleut, il pleut. Wouhou! Il pleut bergère. Ah ah, bah voilà, j'ai 7 macros, c'est pas mal. Mais bon, pas assuré. Tu vois, il y a plein de laitance encore, hein. C'est un mal. Je crois que des mâles en vrai. Je t'ai pas bien décapsulé la tête, pas te faire souffrir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, attends, 2, 4, 6, 7, encore un peut-être. On va voir si ça donne bien et puis on va rentrer, ça va insister trop non plus là. Ouais, c'est vrai que j'aurais passé un coup de mitraillage, je les aurais peut-être fait vite fait, mais bon. C'est moins rigolo, comme ça on s'amuse, on les prend un par un. Voire deux par deux. Oh l'arc-en-ciel. Je sais pas si tu le verras, je pense pas, mais c'est pas grave, il est loin là. Ah, je m'essuie les mains, t'as. Oh là là, cette tempête là. Wouhou! Il y a du vent là, ça ne paraît pas comme ça, mais. J'ai le nez qui coule. J'ai le nez qui coule, toi. Oh là là, on est bien là quand même. Bah, vivement que les températures remontent un peu là, parce que c'est vrai que c'est un peu tendu là. Ouh là là, tant pourri qu'il fait là. Ouh. Allez, petit petit, on mort! On prend le gig des tempères! Prends-le, prends-le, prends-le. Allez, encore un. C'est un peu répétitif comme pêche, je sais bien, mais... Il n'a pas l'air très gros celui-là, il se laisse venir en devant, même si c'est un mac. Il est tout petit, celui-là. Tout petit macro, c'en a un, c'est un macro ou pas, ça? Ouais, tout petit.
N'oublions pas que la taille limite c'est 20 cm, ce qui nous fait vraiment un petit. Ouais, les petits, c'est remarque qu'ils sont bons, les lisettes comme ça, c'est super bon. Je pense que là j'en ai assez, je vais faire une rillette. Hein. Les rillettes, je les fais quand j'ai quand même au moins une dizaine de macros, ça vaut le coup. Quoi. À partir de 6, on va dire, mais pas en dessous. Hein. Tu vas pas te faire chier à décortiquer pour. Remarque, c'est tellement bon. Allez, ça le mec il peut plus s'arrêter, je te dis. Youhou! Bon, et bien voilà, je pense que je vais pas tarder. Je me suis amusé à regarder le carton là. C'est vraiment cool les macros quand même. Bon, j'attends les barres là, on va pouvoir y aller maintenant un peu plus sérieusement. Qu'est-ce que dire de cette session? Bah, c'était cool, hein. Super les macs, c'est pas grand chose pour beaucoup, mais moi ça me fait vraiment plaisir. Tain, j'ai l'impression que j'en ai un. Donc j'ai rêvé. Ah, j'ai peut-être pris un coup de vent dans la canne. Ouais, non, c'était un coup de vent dans la canne. Donc voilà. C'est beau, hein, regarde ce truc, ce tableau de viandard. Ouh là là, le régal. Je vais les vider, je vais les rincer et puis on va rentrer gentiment. Cool, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macros. 2, 4, 6, 8, ouais, super. Je suis content, hein. Ça paraît pas grand chose. Allez, à plus tout le monde. Quel plaisir. À chaque fois, je dis à plus et en fait, les gens sont en disant, c'est comme le dernier lancé, ça. On s'amuse tellement à la pêche. On voit pas le temps passer. Hein. Quelle heure est-il? Ouais, faut que je regarde quand même l'heure. Hein. Regarde ça, allez hop, ça y est, j'en ai un, je crois. C'est même pas, je crois, c'est sûr. Ouh là là, celui-là, il a l'air plus gros. Plus gros que le petit pinsounet. Wouhouhouhou! Ça sent le barbecue, papa pêche. Ça sent le barbecue, petit bob, pout pout. Ding ding ding. Ils sont en fire là, il y en a. Hein. C'est génial. C'est longtemps que j'ai pas eu une manne comme ça. Hein. Faut profiter quand ils sont là, on va se régaler. Ah ouais, c'est normal qu'il se décroche. Il fait du. Avec le vent, il est sur le côté. Le moindre mou et tout, il peut se décrocher. Le pauvre, hein, il sort des eaux. Il était si en forme il y a 2 secondes. Il va y passer lui. Allez, hop là, wouhou. Pas trop gros, mais quel bonheur, quel plaisir. Oui, oui, c'est pas la peine de m'envoyer du machin partout là. Ça va rien. Un petit coup, 2 gigs. Bon, j'ai perdu 2 gigs quand même, hein, mine de rien. Mon super gig palms et puis une mitra spoon, putain ça m'a dégoûté de la vie là. Un peu trop à gauche là. Attention parce que là-bas ça accroche. Moi. Ça accroche à moins que tu prennes un Mac. Ça c'est l'idéal. Voilà, t'as vu, une petite pêche, 9 petits macros, c'est cool hein, ça fait plaisir. Bon, j'y suis retourné le lendemain, je vais pas vous refaire une vidéo complète mais je vous laisse quelques belles petites images et regardez bien ce que j'ai croisé. C'est génial, vite, vite, papa, vite, vite, prends-le en film. Oh, il a plongé. Regarde. Oh. Salut, toi. Regarde ça, si c'est super. Alors, petit gars. Ah, génial. Oh, ça me fait rêver, j'en ai rien à foutre de rien prendre. Oh, tu me regardes, hein. Regarde ça. Ça va, pépère? Bonjour, toi. Bon, ben voilà. Sur le nouveau poste. Un jour je suis venu, là j'en ai fait des macros mais au gig juste sans mitrailleuse. Allez, on va essayer, là il y a au moins les oiseaux, ils sont dans le coin. J'aimerais bien revoir le phoque là, il m'a peut-être suivi. Allez. Ouhou. Allez hop. Là je le sens mieux que tout à l'heure, tu vois les fous de bassin ils sont là. On y croit. Oh, c'est génial hein, de voir un faucounet comme ça, moi ça, j'adore ça. Je vais pas m'en remettre. Mais la nature est généreuse. Hein. N'est-ce pas, je vais en prendre. Il commence à faire sombre déjà. Ah, je sens des trucs. Oui, oui, ça tapote les amites. Oui. On va laisser un peu. On va leur laisser. On va laisser les autres prendre. On va remplir la mitraille. Oh, il y a un fou de bassin qui a plongé. Ouh là là.
Voilà, on va les laisser. Ouh là là, putain, c'est super lourd, merde. Par contre, pour les sortir, je sais pas comment je vais faire. Hein. Que le fil il est fin, je risque de tout péter là. Allez, super, bah, j'ai bien fait de changer de poste, tu vois. Oh, la mitrailleuse, c'est d'une violence. Je vais descendre. Allez, hop. Wouh. Oh merde, le gig, il s'est accroché, le con. Ah putain, non, pas ça. Pas ça, putain, non, c'est horrible. Et puis, je peux pas descendre. Ouais, super. Oh, allez, il y en a un qui s'est décroché, peut-être. Regarde, le test pour la canne, je te dis pas. Youhou. Bon, bah, 1, 2, 3, 4, 4. 4, c'est bien. Et voilà. Bon, allez, on va les décrocher. C'est ça qui est chiant dans la mitrailleuse. C'est que... Je vais les tuer après, là, parce qu'il faut que je les démêle tranquillement. J'ai pris par le but, c'est pour ça qu'il était plié en deux, ça a fait un de ses poids. Ah là là. Ils sont encore en train de frayer, les petits cochons là. Celui-là, il est même pas attrapé, tu vois, il a deux hameçons, il a un hameçon dans le cul. Il s'est emmêlé, tu vois ça. Hop. Et voilà, le dernier, heureusement, qui était pris sur le gig parce que... Super, il y en a que j'ai pas tué. Attends, c'est lequel? Oh putain, t'as vu la giclée qu'il a fait là? Ouh. Allez, toujours pas de chiffon, papa? Bah non, t'es un gros porc. Ouh. Alors. Ouais, je fais pas de dédicace sur ma chaîne, mais là, je voudrais faire un petit clin d'œil à Morgane le motard, il me l'a demandé. Je fais pas parce que si je commence à faire ça, il y en a plein, ils vont me demander. Je trouve ça un peu bidon, quoi. Enfin, mais pour lui, c'est un peu spécial. Je vais pas vous raconter sa vie, hein. Mais bon, disons qu'il a morflé quand même. Et ben, tu vois, là, c'est le moment. Tu vois, là, je t'ai dédié les 4 Macs. C'est grâce à toi, mon gars. Enfin, c'est pas grâce à toi, mais. Je sais que ça te fera plaisir. Hein, Morgane? Le motard. Allez! On va voir si tu me portes chance, Morgane le motard. J'espère pour toi que c'est pas les derniers que je fais, hein. Sinon ça va pas pour le cucu. Hein. Ouh, et ben, que d'émotion, 4 hein. D'un coup, c'est vrai que ça vaut le coup. Hein. Donc voilà la petite pêche là, t'as vu? Regarde là, le macro espagnol, tu vois, il a des petits points là. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Là, il est un peu plus gros, j'ai l'impression aussi. Bon, c'est pas grave, Henriette, on verra pas la diff. Voilà, voilà, allez, on va vider tout ça. Tip 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 Thibaut silure, regarde Thibaut, il est beau celui-là, hein. Miam 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 Thibaut.